D'accord, ouais, mais là j'ai pigé pour revenir, d'accord. Quoi? Tu le mets de l'autre côté de la. Il y a un peu plus devant eux. Ouais. Bah, c'est quand elle monte. Hein. Quand elle monte, tu viens ici, quand elle monte, tu peux dire qu'il y a du vent. Ouais. Ah ouais? Ah bah ouais, ici c'est. Avec la barre, ça souffle à fond les ballons, ouais. Voilà, j'ai fait un bord. Ça va? Ah bah bien même. Fais coucou à la caméra. Attends, on fait un gros plan. Voilà. Sans les mains, Eric, essaye. Pour montrer que... Aïe, il va passer la barre. Il est parti. Hein. Bon là Eric, c'est bon. Quand il y a du vent, c'est quand même costaud. Ouais mais là tu vois il n'y a pas assez, mais regarde il recule. Pas, là. T'es face au vent. Mais là avec la voile je commençais à prendre un peu d'équilibre tu vois. Mais c'est ça, une fois que t'as l'équilibre c'est bien. Parce que quand il y a du vent, ton équilibre est plus dur à prendre parce que t'as un clapot. Ouais. En mer. Un clapot quand même. Hein. Donc faut être bien. Ouais mais quand t'as du vent, ça te stabilise un peu quand même au niveau. Ouais, la voile, t'es pas là. Je suis d'accord. Une fois que t'as la voile en traction. Mais c'est plus dur c'est de la monter parce que le vent prend quand tu la montes. Ouais. Le vent prend dedans. Ouais, donc ouais, voilà. Donc tu sois très bien positionné. Non, il faut que tu sois positionné quand tu parles avec le. Ta voile qui faceille quoi, qui est pas dans le vent si tu veux. Ouais. Autrement, si tu la remontes et le vent prend dedans, je veux dire c'est plus difficile. Ouais, là, il est face au vent. Là. Ouais, je vais éteindre.